Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh. Yep, les boys, c'est Neo. Donc dans cette vidéo, les potes, je sais pas quoi vous faire gagner. Genre vraiment, je joue plus au cerveau. Au final, j'ai encore un stack de Zarco. Je vous fais gagner ces 8000 raids Zarco, les potes. Donc je ferai peut-être une vidéo du coup où je open 2-3 stacks de Zarco nominés. Du coup je vous fais gagner un petit stack de 8000 raids Zarco. Du coup voilà, au niveau de ma richesse je joue vraiment pas, hein. Je sais vraiment pas où ça en est. J'ai le BG dans la sky, je pense qu'il a bouffé un peu de P4, donc voilà. Oui, il a bouffé quand même pas mal de P4 d'avoir sorti tout. Du coup les potes, dans cette vidéo en fait ce que j'ai essayé de faire c'est d'organiser un petit event sumo. Donc en fait j'avais organisé un event sumo, donc les gens je les TP ici, ils vont attendre là-haut. Et puis en fait ici c'était un event sumo, donc on devait se taper à la main. C'est celui qui tèche dans l'eau le premier qui perdait en fait. Du coup dans cette vidéo il y a 8000 Red Zarco gagné avec 200 PB, donc vous likez, vous abonnez. Donc tout ça sera vérifié par le robot, de toute façon les gens qui s'abonnent pas etc. De toute façon seront retirés du concours. Donc on rush les 2500 abonnés, donc dans les commentaires vous mettez ce que vous pensez de mes montages en ce moment. Simplement votre pseudo in-game sur Haverfight. Et du coup moi les potes je vais vous laisser avec la présentation d'Otalia. Donc voilà, donc une petite présentation courte, vraiment elle va durer 2 minutes. Je vous mets le skip si vous voulez skip la présentation, mais honnêtement vous pouvez la regarder, elle est vraiment pas mal pour le coup. Serveur Venia qui va ouvrir un vendredi, donc voilà, donc ça va bientôt ouvrir. Moi je vous laisse avec la vidéo les potes, bonne vidéo, c'était Neo, bisous bisous. Ouais les potes, et du coup comme prévu on va présenter le petit serveur Otalia. Donc c'est un 1.8 en Vanilla. Vous allez voir que pour un 1.8 en Vanilla il y a vraiment pas mal d'ajouts inédits. Donc pour commencer on a un Unclaim Finder, donc vous savez comment ça marche, hein, c'est un petit peu comme sur Palladium etc. Donc il va afficher les pourcentages de la zone. Ensuite on a un stuff farm, donc voilà, donc ça va être pour farmer, miner etc. Donc je vous laisse les petits crafts ici, de toute façon vous découvrirez tout sur le serveur. On va directement passer pour ma communauté PVP. Donc on a les events, donc on a un KOTH, vous savez ce que c'est. Donc on a une île perdue, donc je vous laisse lire un petit peu les events. On a des coffres au trésor, donc c'est un peu une tombée de coffres. Ensuite les potes on a un event à l'abordage, donc vraiment c'est un serveur basé sur le thème pirate. Donc c'est à dire qu'on aura deux bateaux, donc de chaque côté on aura un bateau, un autre bateau, donc deux équipes de 50 joueurs. Et donc il y aura un chef dans chaque équipe et il faudra tuer le chef, prendre l'item qu'il a sur lui et le ramener dans le bateau de son équipe. Donc c'est l'armure Otalite. Donc voilà les crafts. Donc elle est plus résistante et elle a plus de dura. Donc forcément, mais tout ça sur du vanilla, encore une fois, c'est fou d'avoir autant d'ajouts sur un vanilla. Ensuite on a le cookie de force, donc voilà le craft. Et le cookie de fire résistance, donc voilà le craft. Le cookie de speed juste ici. Ici on a une baguette magique, donc normalement l'admin devrait me mettre des petits sorts sur la tête. Donc voilà, donc en fait on est vraiment pas sur un magie, mais il y a quand même une petite baguette. Donc que ce soit pour les pillages ou bien en plein PVP si vous voulez vous... Alors là il m'a pas respecté là l'admin, monsieur l'admin, c'est pas cool. Ensuite on a des mystery bags, donc je vais directement en ouvrir un. Donc on aura eu du pain et des perles. Ensuite les potes on a le slash menu. Donc qu'est-ce qu'on a dans le slash menu? Donc on a des grades à acheter in-game. Donc comme je vous ai dit c'est un farm to win. Donc vraiment on va pouvoir les acheter avec des luxe. Donc les luxe vous inquiétez pas, c'est pas des PVP, c'est vraiment la monnaie que vous allez pouvoir farmer in-game avec le slash shop. Donc là je vais vous passer en bref les petits sorts. Du coup on a le sort emprisonnant, donc on a pu voir qu'il a testé sur moi. On a le tir purificatif, donc il va nous enlever tous les effets néfastes etc. Donc ensuite comme sur tous les nouveaux serveurs PVP faction du moment, on a un slash classe. Donc je vous laisse regarder les classes. Donc on a la quête PVP, les quêtes pêcheurs, les quêtes constructeurs mineurs, les quêtes farmeurs et les quêtes diverses. Sans oublier les amis que vous pouvez venir jouer sur le serveur avec votre faction, car à la fin du mois il y aura un petit classement faction. Et la première faction gagnera 100€ Paypal tout simplement. Donc vraiment 100€ Paypal pour une faction, c'est vraiment pas mal. Ensuite les amis on a un harvester, donc vraiment c'est un petit peu comme sur K-Faction, je sais pas si vous voyez. Plus on va l'augmenter plus la région sera grande, c'est à dire plus on l'augmente plus on pourra planter de carottes ou bien d'autres choses, que ce soit du blé etc. Donc en fait il va farmer pour nous, donc c'est à dire qu'il va tout récolter pour nous et puis il va replanter de la même manière qu'il les a prises. Ensuite les amis je vais directement vous présenter la Warzone. Donc hop on saute dans le puits magique. Donc comme je vous ai dit c'est un petit thème pirate. Donc au dessus de moi il y a un petit bateau. Et donc voilà, donc on est dans la Warzone. Donc la Warzone assez plate au début. Et du coup les amis le petit administrateur Mystix me permet de vous faire gagner grâce à cette présentation un petit grade, donc le grade amiral. Donc c'est vraiment le meilleur grade du serveur et qui a un spawn spécifique au gradé. Donc voilà. Donc comme je vous dis, c'est un petit serveur farm to win, tous les grades achetables in-game. Donc on se retrouve directement pour la vidéo Haverfight. A tout de suite les potes.
Pas besoin, on verra. Ah oh mais quel chien l'admin. Ah ouais, mais il est sérieux? Allez, allez. Ah ouais, mais moi ça se fait pas. Range ton épée. N'oubliez pas. M, Anto. Et c'est bon. Oh, ok. Ok les gars, c'est parti. Donc là on est contre Anto. Que je peux le double user de table, tu penses là? Alors, on est sur Aberfight, hein. Ok, les gars, hein, vaincu, hein. Pour rien. C'est possible qu'il meurt, j'avoue. C'est un combat à mort, c'est plus issu, moi. Il va se slash, il est 100%. Oh, allez. Ah, enfin. Et tous les blocs, alors lui. Il va prendre un truc. Ok les gars, c'est bientôt fini. Ah mince, je suis trop nul. Oh, je peux pas toucher d'ici. Mais... Par contre, Strixive... Il a que tellement le petit Cardox là. Voilà, je préfère. Mais... Strixive, il voulait le tuer, mais après il a vu que je suis monté, il est parti. Là. Il abuse, frère. Je vais le tuer, la Cardox. Hein. Je vais le tuer, hein. Bah... Laisse le seuil, non? Oh mince.